Salam alaikum, Azur Fillawen, bonjour. Qazdi Merbah, Rabbi Yirahmo. Hier a été le 20e anniversaire de son assassinat. Il a été l'un des 200 000 victimes de la décennie rouge. Mais lui ne fut pas celle du carnage de masse, mais des assassinats ciblés parmi ceux qui dérangeaient le régime qui avait pris le pouvoir. Qazdi Merbah est un personnage très énigmatique. Pour certains, il ne fut que le chef incontesté de tout le dispositif sécuritaire de Boumediene, dont la redoutable sécurité militaire, héritière du Malg, et qui allait donner naissance au tristement célèbre DRS. Beaucoup lui ont reproché et continuent de lui reprocher d'avoir été au moins complice de l'assassinat de tous les opposants à Boumediene, comme Kerim Belkacem, Mohamed Khidr et tant d'autres grands révolutionnaires qui avaient commis le crime ultime de s'opposer à celui qui allait devenir le maître de l'Algérie par la force et la ruse. D'autres, par contre, qui le connaissent et qui l'ont approché de près, le lavent de ses accusations ignominieuses. Ils affirment que Boumediene se méfiait de lui et ne lui confiait jamais l'exécution de ses basses œuvres, sachant que Qazdi Merbah s'y serait refusé de toute façon. Qazdi Merbah, qui n'ignorait rien de ses crimes qu'on lui imputait, avait déclaré, vous voyez là sur le background derrière moi, il avait déclaré que son honneur était sauf et avait déclaré lors d'une rencontre avec des étudiants en 1991 qu'il livrerait publiquement par le canal de la télévision algérienne les noms des exécuteurs de Kerim Belkacem, de Mohamed Khidr et de tous les autres. Il avait laissé entendre que Boumediene disposait de réseaux parallèles de tueurs. L'information a été rapportée par le journal Le Soir d'Algérie le 9 janvier 1991. Ces révélations qu'il avait promises ne se produisirent pas, malheureusement, et il emporta son secret dans la tombe. Après avoir assuré la direction de la sécurité militaire de l'indépendance jusqu'à 1980, Qazdi Merbah occupa les charges de plusieurs ministères avant d'être appelé à celle de chef du gouvernement qu'il assura de novembre 1988 à septembre 1989, moins d'une année. Il a été limogé pour des raisons d'incompatibilité de vision politique avec le président Benjdid. Il démissionna du FLN et créa son propre parti, le Majd. Il entra en opposition au régime. Après le coup d'État de 1992 et le déclenchement de la violence par un cabinet noir qui cherchait à s'accaparer la totalité du pouvoir en déclenchant une violence maximale dans le pays, Qazdi Merbah, appris par des sources qu'il avait sauvegardées au sein des services de sécurité et du renseignement, qu'un complot était en marche et que la violence avait été programmée dans ses moindres détails. Il prit contact avec des leaders du FIS et les alerta sur les traquenards qui leur avaient été posés. Il entreprit de larges consultations pour essayer de rapprocher les dirigeants islamistes de certains cercles du pouvoir.
Il devint dès lors particulièrement gênant pour un quarteron de généraux et de VRP d'une certaine France qui voulait en découdre avec les islamistes, les réduire totalement et prendre la totalité du pouvoir. Qasim Erbah devenait un obstacle de taille et sa liquidation fut décidée par les mêmes parrains qui avaient ordonné celle du président Bouzyaf. L'opération qui devait mener à son assassinat fut baptisée « Opération Virus » par l'un des généraux qui la décidèrent. Les deux assassinats, celui de Qasim Erbah et de Mohamed Bouzyaf, avaient été perpétrés un peu plus d'une année l'un après l'autre par les mêmes donneurs d'ordre et pour des raisons à peu près similaires. Qasim Erbah parce qu'il aurait pu faire échouer une guerre civile, ou plutôt une guerre contre les civils, programmée donc dans ses moindres détails, comme je l'ai déjà dit, et Bouzyaf parce qu'il avait éventé la véritable nature de ceux qui s'étaient servis de son image pour mettre tout le pays en coupe réglée. Pour Qasim Erbah comme pour Mohamed Bouzyaf, les crimes n'ont pas été élucidés, pas encore du moins. Ils le seront quand les coupables ne seront plus de ce monde, parce que certains parmi eux sont encore aux commandes, parce qu'une puissance étrangère les protège, parce qu'ils ont placé leur créature à tous les postes vitaux du pays. Aujourd'hui, sur le site du Maol, anp.org, opération virus. Ensuite, le libre penseur, complot, en exclusivité une interview de Ali Ben Hajjar, ex-émir de la région de Médéa. Al-Watan, cérémonie de recueillement à la mémoire de Qasim Erbah. Je vous recommande vivement de lire celui du Maol que je viens de vous citer, Opération Virus. Si vous ne l'avez déjà lu, vous serez sidéré et vous comprendrez comment cette décennie rouge a été froidement décidée, comment elle a été menée au pas de charge, comment les gens qui étaient à ses commandes n'ont reculé devant rien. Avant de recevoir nos invités, regardons cet extrait d'une déclaration de Ali Ben Hajjar, ex-émir de la région de Médéa, l'un des très rares chefs islamistes armés qui n'ont pas été retournés par le DRS. Vidéo, s'il vous plaît. لا انا بالنسبه لي يعني قاصدي مرباح طبعا ك له مسار معروف في الثوره ومعروف في الدوله ك يعني قائد وك عسكري كان اصله بدايه مع الجهاز تاع المخابرات تاع الثوره في ذاك الوقت مع بوصوف ورجل يعني معروف انه لما اخضى كانت له الكلمه المسموعه في اخر ايام بومدين وبدايه ايام الشاذلي ثم تنقل بين رئاسه الحكومه والوزارات وغيرها ثم خرج الى المجال السياسي بعد ما خرج من الحكومه اسس حزب على اساس ان يبدا النضال من جديد سياسيا وسلميا وربما هذا الجهد اللي بذله في المصالحة هو من الجهود اللي كان يقصدها في العمل السياسي وباشر بها يعني حياته السياسية ولكنهم لكن الذين خططوا لهذه العملية في الجزائر عملية الانقلاب وعملية إرجاع الجزائر إلى حضن الفرنسي يعني هم الذين حالوا ويعني استطاعوا أن يسكتوه هكذا نرى يعني الغالب أننا نرى أنهم أسكتوه وأبطلوا جهود المصالحة باختياره. Nous recevons aujourd'hui Babassi Belkacem, ami et compagnon du défunt, mais aussi son chargé de mission sur des sujets, sur des missions particulièrement importantes. Il est écrivain, chercheur et chroniqueur en histoire connu par le tout Alger. Qui ne le connaît pas. Si Belkacem Babassi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, je vous remercie également pour l'invitation qui nous permettra certainement d'apporter un modeste éclairage sur la vie de Qasim Erbah. Merci. Alors, avant de commencer à parler de l'assassinat en lui-même
Essayez de nous parler de l'homme, de sa vision, de son histoire, de sa vie. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, moi, je ne parlerai pas des autres sujets parce que c'est l'histoire qui dévoilera tout ce qui s'est passé et pas simplement dans le cas de Marhoum Kazim Erbah, sur beaucoup d'autres. Et les Algériens seront étonnés des vérités qui peuvent sortir. Pour l'homme lui-même que j'ai côtoyé pendant plus de 30 ans, j'étais responsable du bureau central de la coopération à la présidence quand je fais appeler plusieurs fois par le défunt et surtout par son adjoint direct, c'est Ahmed Farhat Zarouni, la RMO aussi, pour m'occuper de certaines missions dites particulières au profit de Semerbah et surtout de Sibomdin. Tout d'abord, je tiens à dire que Boumdine ne se méfiait pas de Kazim Erbah. Il lui accordait une confiance totale et il lui devait bien parce que je sais très bien que beaucoup de missions décidées par Boumdine n'ont jamais été contredites par Semerbah et beaucoup de missions décidées par Semerbah n'ont jamais été contredites, sauf une. Une, j'en parlerai éventuellement plus tard, qui concernait nos frères marocains. Sibomdin a été d'une sagesse inouïe parce qu'on devait véritablement donner du fil à retordre à Hassan II à l'époque qui était un ennemi déclaré de l'Algérie. Mais Sibelkassem, excusez-moi de vous interrompre. Donc, à vous entendre, Sibomdin ne se méfiait pas de Kazim Erbah, c'est qu'il lui aurait donc confié les assassinats de Karim Belkassem, de Khidr, etc. Jamais je défie quiconque de pouvoir apporter la seule preuve où Kazim Erbah, ou la Sibomdin, ou le service que dirigeait Kazim Erbah, était impliqué à un degré le plus bas possible dans l'affaire crime et l'affaire Khidr. Donc selon vous, Boumdine... Non, je dispose d'éléments. Non, selon vous... Selon... Il le sait, il le savait, il devait le dire, il ne l'a pas dit. L'histoire le révélera un jour. Mais Sibabassi, pardon pour ne pas nous égarer. Moi, j'apporte ce témoignage parce que on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses, il faut attendre. Ou alors la vérité, elle est très difficile à saisir. J'ai cité plusieurs fois l'exemple de la France. Jean Moulin, il y a 50 ans, ils n'ont toujours pas trouvé qui l'a vendu aux Allemands. Bon. Maintenant, je reviens sur le Kazim. Non, juste une précision, Sibabassi. Juste une précision. Donc, selon vous, Boumdine ne serait pas non plus derrière l'assassinat de Karim Belkassem et de Khidr, entre autres. Qu'on me donne une seule raison. Ils étaient ses plus fervents opposants. À un moment donné. Tout le temps, depuis qu'il a pris le pouvoir. Parce que c'est moi qui était chargé des contacts depuis belle lurette, après l'arrestation et la saisie de sa bijouterie, etc., quand Boumdine a décidé une réconciliation avec tout le monde. Et les responsables politiques qui ont été contactés sont encore vivants. Pour ne pas dire le dernier, c'était Aït Hamed dans son livre Ali Messili. Boumdine voulait une espèce de réconciliation, et je vais vous dire, tout était réglé avec crime, lâchement. Tout était réglé pour son retour. Mais ils sont morts, assassinés, en exil, tous les deux, et les autres aussi. Il y a eu des éléments parallèles qui avaient des comptes à rendre à ce moment-là, et ils avaient peur de l'arrivée de crime ici. Voilà. Très bien. Bon, mais ce n'est pas le sujet. C'est beaucoup de détails, on ne va pas maintenant. Comme ce n'est pas le sujet. Je suis en train de l'écrire. D'accord. Et quand il y aura un débat serein, etc., on apportera toutes les réponses. Très bien, très bien. On ne peut pas assassiner quelqu'un avec lequel on venait signer un accord. On ne peut pas assassiner quelqu'un qui avait posé trois conditions qui ont été remplies, sauf une, par Sibomdin Lahirahmo. La restitution de sa maison, la restitution de son magasin avec tous les bijoux qu'il y avait et l'amnistie, ce qu'a fait immédiatement Boumdine. Parce que beaucoup de gens parlent comme ça, grossissent, disent n'importe quoi, mais les écrits sont là et probablement, si nos amis qui ont pris la relève ont trouvé les boîtiers concernant toutes les correspondances échangées
entre Sibumdine, par le biais de Merbahé et le Medhadit, oui. Il y avait que trois personnes qui étaient au courant de ça. C'est Farhad Zerouni, Qazi Merbah et moi. Bien sûr, lui, l'informé Sibumdine. Et je me souviens d'un courrier que j'ai ramené, qui a été transmis à Sibumdine, et Sibumdine a marqué des annotations de sa main, où il refutait, il disait, non, on accepte ça et on refuse ça. Il y avait un dialogue qui était instauré entre la majorité, j'ai même des lettres, qui un jour seront quand même, parce qu'ils appartiennent maintenant aux familles que j'ai contactées moi-même de la part de Simerbah et par ricochet de Sibumdine Lahrahmou. J'ai des lettres et des réponses. J'ai même des lettres où Sibumdine s'est énervé. Je cite par exemple un cas. Lebjaoui Mohamed, Lahrahmou, un militant de la première heure, exilé par Bembella, pas par Boumdine, qui avait répondu. On a pris contact, il y a eu des échanges de correspondance, mais ensuite il a un peu, pas dérapé, je ne peux pas dire dérapé, parce que c'est un monsieur d'une grande envergure, le Bidjaoui. Il avait reproché à Sibumdine son soutien mendistu. L'Éthiopie, tout ça, Sibumdine s'est énervé. Il a dit, moi, je voulais qu'il me parle de l'Algérie, il me parle de l'Éthiopie. Yannis, si vous dire, il y a des choses qui seront dites et qui ne feront pas mal, j'espère. Et il y a d'autres choses. En tout cas, on espère, monsieur Babassi. Un grand responsable, quand je lui ai dit, va falloir peut-être le dire, il m'a dit, fais attention aux enfants. Monsieur Babassi, voilà. Nous espérons tous que la vérité soit connue sur l'assassinat de ces grands révolutionnaires, de ces leaders qui ont été Karim Belkacem, Khidr et tous les autres qui ont été assassinés et dont on apprend aujourd'hui qu'ils ont été assassinés par on ne sait qui, sauf par celui qui était présumé être le commanditaire principal, Boumdine. Vous nous apprenez qu'il n'en est rien. J'espère que vous nous apporterez... Certains sont morts. Oui. Et moi, je vais attendre le feu vert. Je ne vais pas me lancer dans une... Bon, en espérant que vous nous apporterez, que vous laverez l'honneur de ceux qui sont injustement accusés, selon vous. Claire. Mais pour le moment, donc, si vous nous parliez de Qazi Merbah. Qazi Merbah, il est irremplaçable. Je dirais bien Walou, nul n'est irremplaçable. Mais c'est un homme, le Kanash, on aurait évité 10 années de malheur. Le Kanash, on serait rentré dans une période légaliste très importante, qu'il rêvait, qu'il nous a exposé très souvent dans les discussions, dans les réunions, tout ça. Il a puni plus d'un des services Ta'ou, plus d'un, pour avoir dépassé, pour avoir fait... Un jour, ils ont fait une souricière, ils ont pris une chaînette. Eh bien, il a tellement incité pour nous qu'on retrouve celui qui a pris une chaînette, jusqu'à ce qu'on le trouve, il l'a licencié, il l'a mis dehors. C'est un monsieur qui ne met pas le Hagara. C'est un monsieur d'une sagesse inouïe. Il a, vous savez, maintenant, quand on est chef, il y a toujours des débordements comme ça, parallèles, tout ça, qu'on ne contrôle pas. On n'a qu'à citer les grands chefs, les grands présidents, tout ça, on dira, ah, Ouachapé, c'est les autres. Mais moi, j'ai eu des discussions très longues avec lui. Il m'aimait bien, comme il aimait beaucoup d'autres. Moulay, tout. Il consultait, il n'était pas, c'était pas quelqu'un qui gardait pour lui ce qu'il voulait faire. Il soumettait toujours l'idée, le plan. Et quand il voyait que ça pouvait dépasser le cadre normal, eh bien, il refusait catégoriquement. Voilà le problème. Le problème vous nous dites, Sibabassi. Qui avait l'Algérie dans le cœur. Et il était d'une honnêteté qu'on ne trouve quelque chose le concernant. Oui. Vous nous dites, M. Babassi, qu'il s'il n'était pas mort, il nous aurait évité 10 ans de malheur. Il était sur le point, donc, nous dit-on, de rapprocher les partis, pour aboutir à une vraie réconciliation, pour empêcher la violence de se généraliser dans le pays. C'est ce qu'il voulait faire. Et c'était son rêve. Quand il a créé le MES, il m'a appelé, je lui ai dit, je ne viens pas. Il m'a dit pourquoi, je lui ai dit parce que c'est pas encore le moment. J'aimerais que vous restiez en réserve de la République. Les cadres vous aiment,
les cadres d'une manière générale, même les gens qui ne vous connaissent pas, vous aiment. Restez en marge de la République, vous serez appelé le moment opportun. Bon, il a fait ce qu'il voulait faire, il a créé le Majd. Et moi, je ne voulais pas, parce que beaucoup d'éléments du service ont voulu rejoindre tout ça. Je voulais pas qu'on donne, parce qu'on a... Il y a des gens qui ont diabolisé aussi bien Kazim Erbakh que certains éléments concernant. On ne peut pas, c'est pas vrai, dire que rien n'a été fait, dire que ceci, cela. Non. Mais il y a des choses qu'il faut mettre, disons, à la connaissance des gens pour qu'ils sachent que pendant tout ce temps-là, des hommes de l'ombre ont lutté contre des tentatives de déstabilisation. Et c'était son credo, c'était sa mission principale, parce que les gens ignorent que l'Algérie a été plusieurs fois dans les plans des services spéciaux étrangers, etc. On dit qu'il aurait contacté les leaders du FIS au plus haut niveau, c'est-à-dire Abbassi Madani et Ali Belhaj, pour les avertir que leur projet de désobéissance civile était un traquenard qui leur avait été tendu. Est-ce vrai? Écoutez, moi j'étais à ce moment-là à 2000 km, j'étais wali délégué à Adrar, donc je n'ai pas suivi un peu les péripéties, mais par la suite, quand j'ai contacté comme ça des amis, on parlait de choses et d'autres, des gens qui étaient proches de lui au Mejd, tout ça, moi je sais que il a tout fait pour rencontrer les leaders, pour essayer de les ramener. Écoutez, pourquoi Chadli donc a reçu et il avait accepté le principe de l'État islamique et de Abbassi Madani et tout le Bataclan? Lui, il avait projeté de les intégrer dans une gestion commune, etc., pour éviter un peu tout ce qui pouvait se passer. Il était au parfum de beaucoup de choses. Nous, on ne l'était pas. Donc, que s'est-il passé? A-t-il entravé une action? Était-il arrivé à un point où peut-être on s'est arrivé à un consensus, parce qu'il fallait passer par un consensus? Et maintenant, sincèrement, je vais vous dire la vérité, parce que votre tribune, c'est Menbal Haqaiq, c'est-à-dire la tribune des réalités. Merci. On ne peut pas dire que c'est X ou Y tant qu'on n'a pas les éléments. On a quelques indices. On a appris beaucoup de choses, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il faudrait que les Hattab parlent. Voilà un peu. Il faut une tribune des réalités. Oui. Et je tiens content. Vous avez dit la DRS, vous avez dit beaucoup de choses sur la DRS. Eh bien, Fiha Oulad Familia, M. Benchenou, il ne faut pas croire ça. Fiha Wataniyin. Et à leur tête, Mohamed Medien, qu'on a essayé. Moi, je vous le dis parce que c'est un camarade. Oui. Et je vous le dis parce que Merbah l'adorait et il adorait aussi Merbah. Donc on ne peut pas l'impliquer dans cette histoire. Par exemple, oui. Malish, quand c'est des vérités qui peuvent ne pas plaire, mais il faut quand même les dire puisqu'on dit les mauvaises, éventuellement. Mais si Babassi, moi je ne doute pas de votre parole, je vous sais un honnête homme, intègre, très probe. Donc, mais je peux aussi... penser que c'est trop d'ingénuité, peut-être, que de dire que certains généraux du DRS ne pouvaient pas être au courant de l'assassinat de... Ils étaient au courant, ils étaient tous... Oui, Medine ne pouvait... Vous pensez que Medine ne pouvait pas au moins être au courant de l'assassinat? Medine est un homme, un fils de famille. Il y a beaucoup de choses à dire dans le sérail, dans le cercle. Et alors pourquoi il ne nous dit pas aujourd'hui qui a tué Kazim Erbakh et qui a tué Bouzyaf? Ça sera le moment quand? C'est quelque chose, je l'ai appris incidemment, j'ai pleuré comme une madeleine, parce que pour moi c'était un symbole. Et on sait à peu près, on sait d'où est venu tout ça, mais on ne peut pas dire. Ah non, je ne vais pas dire quelque chose que je ne connais pas. Moi, je peux défier quiconque, quel que soit le responsable, au niveau de tout ce que vous voulez, sur des vérités. Mais dites-nous, M. Babassi, pourquoi vous ne nous dites pas? Pourquoi vous pensez que le moment n'est pas venu? Pourquoi vous ne vous soulagez pas? Vous ne nous dites pas ce que vous pensez réellement? Quelles sont vos pensées profondes? Quelles sont vos convictions? Pourquoi vous ne le lui dites pas? Vous pouvez... Il y a un écoute, à quoi ça servirait? Ça servirait
aux Algériens de connaître leurs vrais amis, de leurs ennemis, de ceux qui ont tué les meilleurs d'entre eux, de ceux qui ont fait couler le sang, de ceux qui ont programmé une violence inouïe, inimaginable, juste pour prendre le pouvoir, pour pouvoir tuer de la main droite pendant qu'ils volaient de la main gauche. Ça servira à ça. C'est une opinion. Moi, pour l'instant, je reste stoïque, je reste près de la vérité, c'est la véracité des faits, il y a ça. Maintenant, on dit qu'on a créé de ceci, de cela. Moi, j'étais dans la wilaya d'Adrar, ensuite j'étais dans la wilaya d'Jelfa, j'étais wali délégué de la sécurité. J'ai vu des choses, les mains sur le chlaqal. On a accusé les militaires, et j'ai discuté avec des militaires, des gamins du service national, même des engagés. Ils n'avaient pas cette férocité. Ils pleuraient devant les cadavres qu'on a trouvés. Bon, ça, c'est un autre débat. Oui. Mais ceux qui ont manigancé tout ça, je crois qu'il y en a qui ont commencé à payer par la justice divine. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Ils ont demandé, « Ya Rabbi, atina al-makash. » On entendait leur cri de deux bâtiments voisins. Vous savez ce que disent les gens de l'Ouest, les Oranais, moi j'ai beaucoup vécu à l'Ouest. Ils disent qu'un mot, parce que ça ne suffit pas ça. Ils disent, Barin chouf, adou et khalas ou aini chouf. Barakallahu fik. C'est ce qu'on a, nous on a. Moi voilà. Je, connaissant certains noms, et bien quand j'apprenais les circonstances de la mort et tout, je disais, Barbi, Arbi khdal haq. Parce que j'ai demandé à un grand responsable, il m'a dit, chauffe, si tu dis tel bonhomme a fait ça, ça, ou là d'où ils vont se rencontrer avec ou là de la au lycée, ou là bzonta, ou là ça va créer tout un problème. Amrouler à certes que tu vaut mieux me taire pour l'instant. Ils feront ce qu'ils voudront, parce que Shabha, c'est un peuple révolutionnaire, c'est un peuple qui a donné le meilleur de l'Imadash Maki et Blafoumo pour voir cette solidarité, ce sacrifice des douars, des habitants, des. Mais vaut mieux, écoute. Alors, je vais vous dire une chose, M. Babassi. Cette émission maintenant est arrivée à son terme, mais avant de vous quitter, je voudrais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, Sibel Qassem. Au nom de tous ceux que vous avez connus qui sont probes et droits et honnêtes, des hommes d'honneur que vous avez côtoyés, au nom de tous ceux qui sont morts pour ce pays, ils ont donné leur vie, ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient de plus cher, en leur nom, je vous demande de tout dire, je vous demande de tout nous révéler, je vous demande de ne rien laisser dans l'ombre, je vous demande, comme à d'autres comme vous, honnêtes et probes et intègres qui aiment ce pays, de ne pas emporter leurs secrets dans la tombe. Mon livre est en chantier. Nous l'attendons avec impatience. Et je vais vous annoncer, on va faire un colloque, une journée d'études sur Karim Belkacem Allah Yarhamou, avec toute la famille, où des choses seront dites. On va faire une journée d'études, une évocation, où on fera parler des témoins, doucement, jusqu'à ce que la vérité... Parce que maintenant, je vais vous dire, le système actuel, le pouvoir actuel, ne devrait pas avoir peur de déclencher ce genre de vérité. Absolument. Parce que les antagonistes, enfin ceux un peu qui sont pratiquement tous partis. Il y en a qui sont morts, d'autres sont... Belkacem Babassi, merci infiniment, merci pour votre amabilité, merci pour votre sincérité. En espérant vous revoir souvent dans cette chaîne et dans cette émission. Merci beaucoup. Salam alaikum. Azul.